I just took a picture of it. Bon matin, il est présentement 15h06, on n'est pas le matin, et je suis toujours en live, comme d'habitude, à chaque dimanche de 2h à X, tout dépendant de comment mes montages vont bien. Donc, je suis en live en ce moment, je vous souhaite un bon visionnement pour la vidéo qui s'en vient. La vidéo, c'est quoi? Mais c'est le Comic-Con de Québec, ouais, le samedi, hein, parce qu'il n'y a pas encore de vendredi. Un jour, ça sera 3 jours. Un jour. Donc, on va commencer avec des beaux shootés. Il y a celui de Josiane. De Joanie, Josiane, Josiane. De Jo. On va juste dire Jo, ça va être moins compliqué. Et de sa petite cocotte. Ils ont tellement fait les personnages de Atomic Betty avec le robot. C'était vraiment bien fait. Donc, je pense que c'était du shooting qui va être un peu le plus long. J'ai mis plusieurs tunes différentes. La version longue de l'intro, la version intro normale et la version française. Alors, j'aurais dû pas vous le dire, ça aurait été drôle que vous l'entendiez. Bref, il y a d'autres shootings aussi. Vous allez voir mon assistant. Je ne vais pas vous spoiler. Non, je ne vous spoil pas de ça. Quoi d'autre? Ben, à part dire que bon visionnement et n'oubliez pas de commenter à la fin, de liker et partager. Mais je vais sûrement leur dire à la fin. Donc, on se revoit tantôt. Bye! Bon matin! Il est présentement, je pense, 8h15, 8h30. On est samedi, Comic-Con de Québec! Donc, bienvenue dans ma cuisine. Vous voyez, des petits spiders, évidemment, un peu partout. Évidemment, on a une salière et une poivrière. J'ai même un grille-pain caché là. Puis, des verres. Véronique Thibault, je ne me rappelle plus de sa page d'artiste, mais je la mettrai en lien en bas. Puis je vais trop souvent au cinéma, je pense. Bon, ben, je vais essayer de ne pas faire brûler. Je vais essayer de pas faire brûler quand même une crêpe. Oh, de belles flips. Je reviens, ça sera pas long, faut que. Merde! Donc, vous aurez vu un petit bout accéléré, vite fait. Donc, pourquoi je filme ce matin dans ma cuisine? Ben, c'est parce que aujourd'hui, en fin de semaine, j'ai une nouvelle assistante. Et une de mes assistantes, je sais que les assistantes, il faut les nourrir. Donc, il y a une fois, j'avais convaincu un zombie avec du McDo. Puis là, ben, mon assistante que je vais avoir aujourd'hui, vous allez la connaître plus tard. Mais elle, on va la nourrir aux pancakes. Aux crêpes. Pancakes, en anglais, c'est plus gros. Donc, bon matin et à plus tard au Comic-Con. Donc là, on a rencontré T-Dude. Donc, vous allez sûrement voir sa vidéo avant que la mienne sorte, parce que la mienne sort tout le temps en retard. Donc, ici, vous voyez ma magnifique folle et assistante. Vous l'avez connue aussi, je vais mettre un lien en haut, quelque part en haut là, de l'entrevue que j'y ai fait lors du Geekfest de Québec. Elle était toute gênée. Donc, bah, c'est ça.
Dan een klus om te klaren, kom helpen kwaad te keren, we kunnen het je leren. FF qui conclut la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Un petit peu plus dynamique, évidemment. On va faire striker encore plein de fois les tunes. Parce que de toute façon, je suis même pas monétisé. Mais je voudrais remercier, justement, en parlant de monétisation, je veux remercier mes followers sur Twitch. Parce que depuis lundi passé, je suis enfin affilié. Ça veut dire que le monde va pouvoir me donner des bits. Ce qui veut dire de l'argent. Mais pour ça, il va falloir que je me refasse ou fasse un compte PayPal. Donc, en tout cas, moi je vous remercie. Je pense que ce qui aide, c'est surtout quand il y a les conventions, le lundi, je fais des lives, donc le monde peut venir voir leurs photos. Donc ça doit peut-être aider. Donc, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et on va espérer de se rendre à 200 bientôt. On monte, tranquillement, pas vite. L'étape 1, c'était 100. L'étape 2, c'est 200. On continue comme ça, partagez, faites des commentaires, c'est constructif, évidemment. Hein. Si vous avez quelque chose de négatif à dire, vous l'écrivez, mais il faut que ce soit constructif, pas juste du bitchage toujours. Si vous avez des compliments, ben, faites des compliments, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, moi je vous dis bye!